Historiquement, le parc travaille à la restauration et la préservation des landes et tourbières d'Armorique en tant qu'opérateur Natura 2000 sur les trois sites emblématiques que sont les Monts d'Arrée, Ménézmeur et le Ménézôme, et ce depuis une vingtaine d'années. Et ce travail historique est amplifié en quelque sorte avec ce programme Lifeland, qui est un projet européen porté par le parc en partenariat avec le département du Finistère et Bretagne Vivante. Et ce programme Lifeland a pour objectif de restaurer environ 250 hectares de landes et de tourbières. Avec ce programme LIFE, le parc va engager deux grands types de travaux, avec d'un côté la coupe de résineux et de l'autre la rouverture de landes par broyage. Ces deux types d'interventions vont permettre d'une part de restaurer la végétation pour favoriser vraiment le cortège typique de la lande et des tourbières, à savoir la molinie, les bruyères et la jonc. Et d'un autre côté, on va aussi permettre de favoriser et de pérenniser les pratiques de gestion ancestrale de ces milieux que sont la fauche et le pâturage. Le parc d'Armorique nous a donc proposé, dans le cadre du projet Lifeland, de remettre en fauche des parcelles de landes qui avaient été fauchées par le passé. Le broyage permet d'abord de voir les cailloux, de les repérer, de les déplacer. Puis ensuite, nos machines, à nous, elles peuvent passer sans risque, parce que le risque aussi, c'est la casse matérielle. Ces espaces de landes font partie intégrante d'un programme d'aide sur lequel il y a des MAEC, donc des mesures agro-environnementales et climatiques. Ces programmes d'aide sont réalisés en partenariat avec le parc d'Armorique, qui nous aide à remplir le cahier des charges qui nous est imposé. Quand on a appris que le parc naturel régional d'Armorique lançait un projet LIFE sur la restauration de landes, on leur a proposé d'étudier le cas de la forêt d'Argol pour retourner à une lande non boisée et qui est plus typique et plus favorable à l'expression des espèces protégées qui sont inféodées. Comme c'est des habitats très humides et très difficiles d'accès et qui sont très sensibles aux engins, à l'action des machines et au tassement des sols, on va exploiter ça avec un câble mât. Donc il y a un bûcheron à pied qui va couper l'arbre, qui l'accroche au câble, et ensuite le câble il remonte ça au bord de route. La tête des arbres va partir plutôt en bois énergie pour faire du pelé notamment. Et le tronc des arbres va partir pour faire des palettes. La plupart des arbres sont vieux mais très petits parce que c'est des conditions très difficiles pour qu'ils puissent pousser.